J'aimerais vous présenter le coffret Harmonia Mundi qui s'appelle Les Lumières, la musique du XVIIIe siècle. Donc tout le monde sait un peu ce que c'est que le siècle des Lumières. C'est le XVIIIe siècle, la deuxième partie du XVIIIe siècle qui a été une époque extrêmement importante pour l'histoire de l'Europe, aussi bien pour l'histoire politique, mais aussi culturelle, scientifique, artistique. Et donc le projet d'Harmonia Mundi, c'était de présenter justement ces grands bouleversements musicaux qui ont eu lieu au XVIIIe siècle, sous forme d'un très beau coffret de 30 CD, avec un livret qui est un petit peu important parce qu'il est traduit en plusieurs langues, mais qui est très très bien documenté. Chaque CD est très bien introduit. Et un des grands intérêts de ce coffret, c'est de ne proposer que des œuvres en intégrale. Donc vous avez des thèmes, la tragédie lyrique, qui après va donner naissance à l'opéra classique. Vous avez la Sinfonia qui va devenir la symphonie. Vous avez le concerto grosso qui va évoluer vers le concerto, les grands concertos pour piano, par exemple, de Mozart ou de Beethoven. Et donc, à chaque fois, des œuvres vous sont proposées. Et vous avez même des grandes œuvres en intégrale, parce que, par exemple, pour l'opéra, vous avez une intégrale de Castor et Pollux de Rameau, par René Jacobs, une intégrale des Noces de Figaro de Mozart, par René Jacobs toujours, et toujours du même chef d'orchestre, puisque c'est un des piliers du label Harmonia Mundi. Vous avez également l'Orphée Eurydice de Gluck. Donc ça vous montre, exemple à l'appui, l'évolution très très intéressante de la musique durant ce XVIIIe siècle, y compris avec des compositeurs un petit peu moins connus, comme Kunao, comme Pleyel. Et pour arriver, on va dire, à l'apothéose, qui est Beethoven, qui est à la fois un musicien classique, mais aussi un précurseur du romantique. Et donc, c'est très très complet. C'est toujours très bien soigné, comme à l'habitude de le faire Harmonia Mundi.